En 2012, lorsque Xi Jinping arrive au pouvoir, plus de 98 millions de Chinois vivent en situation de grande pauvreté. En à peine 10 ans, la Chine aurait donc permis à près de 100 millions de personnes d'accéder à un logement décent, à l'école et aux services de santé, tout en ayant un salaire qui permette de vivre décemment. Mais si l'on se base sur les chiffres des institutions internationales pour définir l'extrême pauvreté, on se rend compte que la réalité est un peu plus complexe. Marie-Françoise Renard, responsable de l'Institut de recherche sur l'économie de la Chine. Le seuil de pauvreté, c'est 60% du revenu médian. 50% de plus riches, 50% de plus pauvres. Et le revenu médian en Chine, il est de 8600 yuan dans les campagnes. Donc, normalement, on aurait dû dire la pauvreté, ce sont les gens qui gagnent moins de 8600 yuan dans les campagnes. En fait, dans ce plan d'éradication de la pauvreté présenté par Xi Jinping, le seuil, il est de 4000 yuan. Donc, c'est beaucoup plus bas. Donc, la très grande pauvreté, effectivement, est pratiquement éradiquée, mais parce qu'on a mis un seuil très très bas. L'extrême pauvreté en Chine touchait surtout les zones rurales. Le Parti communiste chinois a donc eu recours à un stratagème, relocalisé les plus pauvres hors des campagnes du pays. Les pauvres dans les campagnes, on les a sortis des campagnes pour les mettre dans les villes. Donc, il faut savoir si demain, ces gens qui sont dans les villes auront un emploi, parce que beaucoup n'ont pas suffisamment de qualifications pour travailler dans les industries locales, dans les villes. Alors, ils ont eu une subvention pour leur déplacement qui a été un peu moins importante que ce qui était annoncé, mais il faut voir s'ils retombent dans la pauvreté ou non. Si la pauvreté en Chine n'a pas totalement disparu, si le chemin est encore long pour permettre aux plus pauvres d'accéder à un salaire décent, il faut bien souligner les énormes progrès accomplis par l'Empire du Milieu en l'espace de quelques décennies. Marie-Françoise Renard. Depuis le début des réformes, il y a des millions de personnes en Chine qui sont sorties de la grande pauvreté, puisque quand les réformes ont commencé en 1978, la majeure partie de la population était extrêmement pauvre. Donc ça, c'est un succès indiscutable d'avoir sorti la majeure partie de la population de la grande pauvreté. Ça, c'est indiscutable. Alors, ça a pris quelques années, mais le résultat est assez remarquable. En Chine, sur une population d'1,4 milliard de personnes, près de 600 millions vivent convenablement, 40 millions sont riches et vivent très confortablement. Il reste donc près de 700 millions de Chinois aux revenus modestes, dont les 98 millions qui sortent donc, au moins officiellement, de l'extrême pauvreté.